Bonjour! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière hein, que je n'ai jamais fait sur ma chaîne, une vidéo d'unboxing, incroyable! Mais pas n'importe quel unboxing, une petite boîte que j'attends maintenant depuis un an, puisqu'on est en octobre, donc ça fait à peu près un an que je l'attends, elle est arrivée déjà il y a un mois. Et puis voilà, c'est un colis spécial de Warframe qui m'a coûté bonbon, hein, 130$. Tout particulièrement, et avec les frais de douane, c'est mon accent anglais, you know, et bien ça fait 40€ de plus. Et donc juste après cette petite ouverture de colis pour savoir ce qu'il y a dedans, et bien nous passerons au tirage au sort pour le magnifique giveaway d'Atlas Prime. Voilà. Bon alors j'ai jamais fait ça, mais bon, il faut ouvrir un carton, donc hop, un petit couteau, et c'est parti. Alors on va faire attention parce que quand même c'est fragile. On repose ça, c'est une arme dangereuse. Hop là. Voilà, c'est à peu près ce que j'avais commandé. Voilà, bah c'est très confortable hein, et puis on peut en faire des trucs qui explosent, tu vois, genre. Hop là, c'est amusant. Bon, passons aux choses sérieuses. Un verre Londres avec normalement de la moutarde, bon, Amora, mais sans moutarde. Voilà, donc je pense que ça, c'est vraiment un... C'est vraiment ce que j'avais, c'est vraiment ce que je voulais, quoi. C'est vraiment, tu vois, genre 136$ pour ça, je pense qu'on s'est pas foutu de ma gueule, là, hein. Merci Digital Extreme. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Accéléra Premium Vitamine C, super, on m'envoie des vitamines C, incroyable, incroyable. En vrai, je sais pas ce que ça fout dans le colis, c'est incroyable. C'est, normalement, c'est en rapport avec Warframe, donc si tu veux, on s'en bat les couilles de ça, vraiment, hein. Alors, là, les amis... Là, vous voyez un petit peu là, ici, là, juste là. Oh là là, on commence à voir, on arrive aux choses sérieuses, là, attention. Ça va. Alors, bon, on va dégager le plastique, hein. Voilà. Hop. Et... voilà la petite bête. Alors c'est un peu écrit à l'envers, je ne sais pas si ça sera remis sur la vidéo à l'endroit, mais en tout cas c'est une petite statue Excalibur Umbra édition limitée. Voilà, donc il fallait la précommander pendant un certain temps. Et après, le temps qu'il la réalise, hein, donc il y a eu plus de 1000 commandes. Il y en a peut-être eu un peu plus, mais il me semble qu'il y avait eu au moins 1000 commandes. Et du coup, ça a été un petit peu long à faire. Mais voilà, elle est enfin arrivée, cette fameuse statue. Alors, je précise hein, encore une fois que j'ai payé, d'accord, ce truc-là. C'est pas Warframe qui me l'a envoyé, Digital Extreme, en mode partenaire. Ouais, trop bien, non, nique sa mère, hein, j'ai dépensé 136$ plus 40€ de frais de douane. Donc, au final, on va dire que j'ai dépensé 170€ pour cette magnifique statue. Bon, au moins, c'est super bien protégé. On va avoir besoin de notre ami couteau. Ah, on a quand même... un petit coffret, bon c'est aussi scotché là. On va aussi scotcher. Ah, il y a des codes. Il y a des codes pour PC et tout. Plus 170 platinum, plus l'Excalibur Umbra Noogle. D'accord, donc en fait c'est la statue d'Excalibur Umbra. Donc c'est ça ici. Hein. Je vais pas vous montrer parce qu'en vrai je vais activer le truc PC pour ma gueule. Et je vous offrirai directement. Celui qui est sur PlayStation, Xbox et Switch. Donc je suis désolé pour les mecs. Oula, le micro, attention. Je suis désolé pour les mecs qui sont sur PC, mais bon, voilà. 170 balles, les gars. Donc il faut bien que je rentre un peu dans mes frais. Oh là 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 là. C'est encore accroché. Et alors là, nous avons tout ça. C'est magnifique. Nous avons exactement un petit socle. Voilà, que voilà, je suis désolé, hein, je fais ça en mode tocard, il n'y aura pas de vue à 360 degrés, je fais ça, il est 21h le soir, j'en ai rien à branler. Ensuite, il y a un petit katana, hein, le fameux El Famoso, donc il y a avec une petite main dessus, voilà, donc c'est sympa cette petite main, hein, c'est la main d'un mort, je pense. Non, évidemment, c'est la suite de la statue, évidemment.
Et voilà enfin la bestiole. Hein. Donc effectivement, il lui manque une petite main. Bon, c'est pas grave, hein. On va lui mettre, on va lui mettre. Ne vous inquiétez pas. Mais du coup, voilà la petite statue Excalibur Umbra. Bon, du coup, je vais assembler tout ça, puis après, on vous montrera ce que ça donne une fois fini. Tada! Et voilà le petit résultat fini. Voilà, on va tourner au ralenti, tranquille, pépère. Hein, bon, c'est encore du mode tocard, les gars, mais bon, je suis désolé, j'ai pas vraiment la place pour faire un unboxing de ouf avec une petite caméra sur le dessus. Et bon, j'ai la flemme en vrai, hein. C'est de l'unboxing, donc je me foule pas trop. Je me foule pas trop depuis le temps que j'attendais ça. J'ai la flemme de tout faire correctement. Oui, je suis une petite salope, vous pouvez le dire en commentaire. Bref, maintenant qu'on a ça, où est-ce qu'on va l'installer? Eh bien, évidemment, on a une étagère comme tous les YouTubeurs streamers. Eh bien, on va l'installer sur notre petite étagère. Elle sert exactement à ça. Voilà. Juste là, à côté du petit mug Warframe. Elle aura super bien sa place, et puis un jour il y aura un peu plus que ce qu'il y a là sur la petite étagère. Et puis voilà. Alors la petite boîte aussi, je sais pas si on va la mettre de dos plutôt, hein. De dos c'est cool. Est-ce qu'elle rentre sur une de mes étagères? Ah merde, ça rentre pas. Bon, on va la mettre sur le dessus. Voilà, sur le dessus. Bon, bah, du coup ça se voit pas trop, on voit juste un petit truc Warframe, mais. Écoutez, hein, ça rentre pas. Hein. Bien, nous allons passer maintenant au tirage au sort du giveaway. Bon, voilà, j'avais envie de faire un petit unboxing juste avant. Je voulais pas faire juste une vidéo giveaway. Et du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je suis très content d'avoir commandé cette limited édition. Elle est très jolie. Et puis, voilà, c'est un petit Excalibur. C'est ma Warframe préférée. Donc, obligatoirement, je suis très, très content. Alors, hop, du coup, on se retrouve sur cette vidéo là, on copie le lien, on va sur randomly command picker ok, hein, je connais super bien ce site. Nous évidemment chargeons la vidéo, donc là on voit bien que c'est la bonne vidéo. Nous avons 262 commentaires uniques, et évidemment nous faisons un petit randomly pick winner. Donc attention à mettre une petite musique de suspense. Pas du tout, nous allons pas mettre de musique de suspense, nous allons juste cliquer sur le bouton, et c'est Blue Ninja qui nous dit « Raven, d'accord, merci, je vais essayer, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le reste ou pas du tout, c'est le numéro 25 ». J'adore ça, quand il y a des réponses et tout, donc on va aller voir, hein, évidemment. Ah, ça y est, attendez, je vais le remonter pour que... Hop là. Blue Ninja, jusqu'ici. Ah, voilà, on avait les trois réponses. Donc là, c'est normal, hein, comme je vous ai dit la dernière fois. Je suis allé vérifier aussi, puisque là, c'était une réponse. Hein, de toute façon, ça se voyait. Bien, alors effectivement, comme c'était une réponse, je suis allé vérifier. Et effectivement, il a bien mis sa plateforme qui est PS4, son pseudo qui est Canou49000. Il a une histoire, ce pseudo, il a une histoire Canou49000, voilà, ne l'oubliez pas. Donc, cette histoire déjà fait qu'il vient de remporter un Full Access Prime avec tout le Full Access d'Atlas. Prime, hein, évidemment, c'est mieux Atlas Prime, parce que Atlas normal, ça serait moins bien. Donc c'est la fin de cette petite vidéo, bien joué au gagnant. J'espère que le petit unboxing, malgré que ce soit fait un petit peu à l'arrache, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et on se retrouve du coup très prochainement pour un autre live ou une autre vidéo. Tchuss. Mentalité guerrier, libérez la place, la route est guidée, regardez nos traces, l'amour est aveugle, comme un fan meurt, sans la beauté extérieure.